Alors, avant de répondre aux différents points que tu as abordés, je vais juste recontextualiser. Alors, j'ai pris la coordination des référières dans le Haut-Rhin en septembre 2013. Et le premier contact que j'ai eu par rapport à ce partenariat, c'était avec la CCAS. Donc, en novembre 2013, les assistants séjour de la CCAS Alsace m'ont contacté et m'ont dit « on veut mettre en place le partenariat qui était défini au niveau national avec les référières ». Et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc c'était un peu embêtant pour moi quand même. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai eu face à moi des interlocuteurs particulièrement réactifs. Toujours en termes de contexte, et pour revenir sur des échos, enfin, sur des propos précédents, quand je suis arrivé, les référières dans le Haut-Rhin, c'était 64 structures, dont 62 écoles. Voilà. Donc quand on m'a parlé de lecture sur temps de loisirs, je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour commencer mon parcours en qualité de coordinateur. Donc j'avais à peu près 80 bénévoles. Et donc on a fait des rencontres avec le secteur art et culture. Donc ça, je pense que vous en parlez tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a conventionné en printemps 2014 pour des actions dans le centre, essentiellement le centre de vacances qui est dans les vallées vosgiennes, donc, mais du côté orinois encore. Donc c'est un centre qui accueille des centaines d'enfants toute l'année pour des séjours. Donc il y a des enfants qui sont issus du territoire alsacien et des enfants qui viennent de toute la France. Pour valoriser ce partenariat, on a organisé la journée de valorisation des bénévoles au mois de juin dans leur centre et on a présenté à ce moment-là ce partenariat aux bénévoles. Étant donné que j'avais 80 bénévoles et que 45 étaient présents, ça a tout de suite été... on a tout de suite diffusé l'information comme il était stipulé dans notre partenariat initial. Concrètement, comment ça s'est organisé? La CCAS a une politique du livre, en tout cas en Alsace, qui est vraiment installée et on a tout de suite senti qu'il y avait du contenu en termes de lecture et une véritable action en faveur de la lecture sur ces temps de loisirs. Elle se manifeste comment? Par un vrai travail de lecture et des bibliothèques présentes sur l'ensemble des sites qui sont vraiment fournies en ouvrages de qualité, donc ça a régalé nos bénévoles qui ont tout de suite dit, nous, on veut venir lire chez vous parce que vous avez vraiment de beaux endroits pour lire et vous avez de beaux ouvrages aussi. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça se manifeste aussi par l'organisation d'une rentrée littéraire et d'une fête de Noël. Donc, le partenariat s'est rapidement mis en place et lire et faire lire dans le Haut-Rhin, finalement, intervient sur l'ensemble des manifestations culturelles organisées par la CCAS sur le territoire. Parallèlement, on a des bénévoles. Alors, on avait un problème un peu pas structurel, mais si le fait qu'on était dans des écoles faisait que quand on avait des inscriptions en cours d'année, souvent les bénévoles devaient patienter avant de pouvoir assurer des lectures. Et on perdait. Donc, en fait, on perdait des gens qui étaient très motivés, qui allaient du coup dans d'autres associations et s'engager. Ce partenariat a permis aux gens qui arrivaient en cours de route, en dehors de tout ce qu'on a mis en place par la suite pour pallier à ces difficultés chez nous, de laisser la possibilité à des bénévoles qui arrivaient de lire un peu hors contexte scolaire pour se faire un peu la main et pour prendre un peu le pli. Dans les grandes lignes par rapport à ce partenariat. Alors, la réciproque, c'était que la CCAS dispose de structures que nous n'avons pas, ni au sein de la Ligue de l'Enseignement, ni pour lire et faire lire, donc pour les réunions, pour les manifestations départementales. Donc il y a un soutien matériel et logistique, et la mise à disposition aussi des fonds d'ouvrage pour les bénévoles qui souhaitent lire sur ces temps-là. Mais la contrepartie, c'était aussi, en dehors de l'apport financier et du partenariat au niveau national, c'était de susciter de nouvelles vocations au sein des bénéficiaires retraités de la CCAS. Et là, on a un peu raté, dans le sens où on a eu zéro inscription. Donc en termes de communication, on n'a pas été forcément très bon, mais ce n'est pas grave, il y a vraiment une dynamique qui s'est créée et on va relancer ça pour l'année qui vient. On est en cours de reconventionnement, cette fois-ci pour aussi lancer d'autres actions autour du prix Preneuse de littérature, mais aussi autour de Lire en Short pour l'été prochain. Donc on a la confirmation que ça sera relancé sur les différents sites. Donc
plus seulement le centre d'accueil pour les enfants, mais aussi les centres d'accueil familiaux. Voilà. Parfait, bah Patrick, tout a été dit sur la CCAS, je vais vous laisser. Tu peux nous dire quand est-ce qu'on voit des bénéficiaires venir. Oui, oui, non mais, effectivement, là, on a tout ce qui vient d'être dit, mais en Alsace, on a organisé, nous, en 23 territoires, le territoire Alsace, effectivement, a de l'avance sur tout ce qui concerne la lecture. Donc, ce n'est pas partout comme ça en France, mais en tout cas, nationalement, on a cette volonté-là. Alors, qui on est, Laurent dit, la CCAS, donc caisse complémentaire d'action sociale, d'activité sociale, pardon, des électriciens et gaziers. On est aujourd'hui les activités sociales de l'énergie. Les entreprises pour qui on travaille, et les gens pour qui on travaille, ce sont les agents EDF et GDF, et historiquement, les entreprises EDF. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des partenariats, enfin, il y a des partenariats, non. Il y a de la privatisation dans l'air, il y a des entreprises qui changent de nom, qui changent aussi de volonté, donc c'est parce que c'est eux qui nous financent. Enfin, notre particularité, si vous voulez, c'est là, comme comité d'entreprise, c'est là où les autres comités d'entreprise sont gérés de façon paritaire. Nous, on est gérés uniquement par les représentants du personnel, c'est-à-dire c'est une gestion ouvrière. Et la deuxième chose, c'est que là où les autres comités d'entreprise fonctionnaient avec 1% de la masse salariale, nous fonctionnons avec 1% des ventes d'énergie. Ce qui donne un pourcent différent. Mais la grosse différence surtout, c'est qu'on a un vrai projet culturel qu'on comporte et que avec cette somme-là, il a parlé de contenu, Franck a parlé tout à l'heure, mais effectivement, nous on travaille effectivement sur les contenus, mais pas les contenus des filets d'abris qu'on distribuerait à Noël. Voilà. On travaille sur les contenus, et la colonne vertébrale de notre projet, c'est l'accès à la lecture et à l'écriture pour le plus grand nombre, parce qu'on pense que l'accès à l'écriture aujourd'hui encore plus que hier, dans une situation de crise, on va dire comme ça, elle permet en tout cas l'émancipation de nos collègues et pour qu'ils soient dans la vie des citoyens, qui leur permettent aussi de faire des choix dans leur vie de tous les jours. Des choix pensés. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur d'action. Alors, comment on s'adresse aux électriciens gaziers ? À la fois à travers leur lieu de travail, mais aussi à travers un réseau de centres de vacances important qu'on a sur tout le territoire depuis les années, depuis 1946, on a commencé à avoir des centres de vacances, puisqu'on est les enfants du programme du CNR, donc en 1946, le CCOS, puis en 1964, la CCAS fondée, pour mener à bien ce type de projet. Aujourd'hui, donc, sur nos centres de vacances, une de nos, Franck l'a dit, mais une de nos particularités aussi, c'est qu'on a une bibliothèque sur chaque centre, donc un lieu où les enfants sur écolo et où les adultes sur leur centre de vacances peuvent aller chercher des livres et lire. Et ces bibliothèques, on les alimente tous les ans par une dotation de livres, travailler avec quatre librairies indépendantes où on met sur chaque centre, bibliothèque de centre adulte 100 livres par an. Ce n'est pas rien. Documentaires, romans, etc., théâtre, poésie. Et sur chaque centre jeune, chaque colo, par tranche d'âge, 50 livres. Ce qui fait qu'effectivement, et on est pour ça ressource pour les lecteurs de lire et faire lire, parce que moi, à Montreuil, puisque c'est déjà à Montreuil, j'ai des lectrices qui ne sont pas des agents EDF, qui sont venus chercher, voir si on avait des livres, et prendre des livres pour lire. Voilà, c'est des livres récents qui touchent, qui balaient toute l'actualité et tous les genres. Donc c'est important. Alors comment on a... Un mot peut-être sur comment on s'est rencontrés et comment on est partenaires. Vous faites beaucoup d'actions, vous êtes connu pour vos actions lecture. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'idée d'être partenaire de l'IRSA? Exactement.
ce que j'allais évoquer. Moi, j'ai entendu parler de lire faire lire la première fois par un collègue du Languedoc qui m'a dit qu'il était bénévole à la RDF, bénévole déjà à lire et faire lire, et qui nous en a parlé, enfin, qui s'est adressé à moi en tant que responsable de l'action lecture nationale en disant il y a une association là de laquelle tu devrais te rapprocher. Donc on s'est rencontré avec Laurent et la chose qui nous a. Avec toute notre exigence, nous, l'idée que lire et faire lire défend, c'est l'idée de plaisir dans la lecture, de lecture-plaisir, et cette idée-là, on l'apporte aussi fortement, donc c'est cette notion de plaisir qui nous a, moi, qui m'a intéressé, et puis on a rapidement conclu par un partenariat, parce qu'on était sur... C'est dans les mêmes valeurs, en tout cas, quand on a discuté, un partenariat depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e année, avec, où on s'était donné comme base 5 conventions par an entre un département pour vous et pour nous, on est organisé en territoire, donc un territoire, un département. Donc forcément, le premier, ça a été l'Alsace, parce qu'ils n'ont même pas attendu que... Moi, j'en avais parlé un peu. Ils n'ont même pas attendu que Laurent envoie l'info dans les départements pour solliciter... c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc voilà. Mais sinon, 4 autres sont venus s'ajouter à celle-là pour la première année, ce qui était plutôt une réussite. Et là, on continue, et ça fait un peu boule de neige. Peut-être juste dire que les retraités chez vous aussi sont concernés, et peut-être de quelle manière, pour répondre à Franck, alors, nous pourrons les recevoir. Alors on informe aussi, on a informé aussi par nos réseaux l'ensemble de nos inactifs, parce que là, une des particularités de notre CE particulier, c'est que les agents en inactivité de service, donc les retraités, continuent à bénéficier de leurs activités sociales et tous les 3 ans votent aussi pour élire le nouveau conseil d'administration de la CCAS. Donc ils sont vraiment impliqués. On les a informés. Une des difficultés qu'on a, on n'a encore pas trouvé comment, c'est de pouvoir les pointer, mais c'est difficile parce que vous ne faites pas remplir des fiches avec. Voilà. Donc on ne sait pas, mais en tout cas, on travaille à ce que de plus de 50 ans chez nous, puissent vous rejoindre et... Combien d'agents de plus de 50 ans ? Moi, je sais. Combien d'eux ? D'agents de plus de 50 ans dont vous occupez ? J'ai pas compris. Combien d'agents avez-vous dont vous occupez qui ont plus de 50 ans ? On se prépare. De plus de 50 ans, j'ai pas le chiffre. On est... parce que quand on dit agent, nous, on dit bénéficiaire, c'est-à-dire enfant, femme d'agent, enfant d'agent, ce qui fait qu'on peut retrouver aussi des conjoints qui peuvent aussi être intéressés, ou des conjoints. Le chiffre que je connais, c'est pour vous dire la part qu'on peut avoir nationalement, c'est on travaille pour 660 000 bénéficiaires, agents EDF, GDF, femmes et enfants, ce qui fait 1% de la population française, qui n'est pas négligeable. On va signaler au 92 pour qu'ils trouvent des bénéficiaires. Mais j'ai entendu le 92, on a une structure dans le 92, puisqu'on est aussi structuré en CNCS, en structure plus petite ou plus proche des agents. Et ce qui a été dit... par le responsable de l'éducation nationale, ça, du 92, on prendra... je veux bien qu'on prenne un échange de coordonnées après, parce que j'ai des propositions par rapport à ça. Simplement, pour dire que l'Alsace, c'est aussi dans l'Est, et que tout n'est pas mauvais à l'Est.